Hello. On peut déjà se présenter un petit peu. Alors moi je m'appelle Anthony Astella, je suis youtubeur depuis 3-4 ans, instagrammeur aussi. Moi je m'appelle Henri, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube avec mon grand frère sur la chaîne de Rire Jaune. Aujourd'hui je viens vous parler un petit peu d'Instagram. Je suis allé un peu voir vos Instagram, je vous avoue, j'étais derrière mon ordinateur, j'ai tapé vos différents pseudos pour aller voir un peu de ce qu'il en était. On va voir ensemble quelques petits tips à côté pour optimiser un peu mieux le trafic qu'il y aura sur votre compte. Sortez vos téléphones. Il est temps maintenant de vous distribuer vos pulls d'équipe. La team Kevin, Lucie, la team Atou, Alexandre, Luan, allez, faites voir un petit peu comment vous êtes beau. Vous êtes prêts? Attention! 3, 4. Là les gars, la team Fanta nous a demandé d'écrire un scénario pour peut-être faire la prochaine pub qui sera diffusée sur leur chaîne et peut-être à la télévision. L'équipe MXM, on a des très bonnes idées et des petites stratégies, donc c'est parti, on va s'installer et écrire le scénario. Alors, est-ce que quelqu'un a des idées en sachant qu'il y a un brief de Fanta qui dit que la publicité qu'on va tourner, elle doit durer 30 secondes. Ça lève la main, ouais, on est poli. Je vais faire un truc avec des zombies. Un truc avec des zombies, donc on va me faire d'accord, des zombies. Ouais. Moi j'aimerais bien, peut-être, après je sais pas si on le fera ou pas, mais on peut essayer de tourner genre un truc un peu cambriolage, mais version humour. Genre des cambrioleurs qui seraient attaqués par des zombies. Ça peut être pas mal aussi, tu vois. On part sur 4 personnages principaux où il y a des gens qui sont pas du tout intéressés pour tourner ma pub. Toi, tu veux y aller? Oui, moi tous participer. Ouais, ouais. Moi je pense que là déjà on a beaucoup d'éléments, donc on a de quoi travailler un scénario. Ouais, vraiment. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on peut-être qu'on commence à réfléchir aussi à comment le mettre en avant pour vendredi. Ouais. Quand on va rencontrer pour la présentation. Il faut vraiment qu'on trouve un truc original que les autres ne peuvent pas faire pour qu'on se démarque. On va partir sur le truc de on prend une planète, un univers. Et on écrit des pubs autour de ça. Ouais. Ça c'est le, on va dire, c'est le pitch. Pour un seul tournage, on fait 5 pubs. On englobe dans le même tournage les 5 ambiances. En une pierre 5. Et donc du coup, au lieu d'avoir une pub, ils ont 5 pubs différentes. C'est vrai. Pour le prix de. C'est ça. Bien. Ce qui serait cool, c'est que la fin, ça se passe toujours de la même manière. Enfin, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Je pense que déjà faut faire un brainstorm. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on peut déjà balancer nos idées. Voilà, c'est ça. J'ai plein d'idées. Alors, la première que j'avais, c'était un cambriolage dans une maison. Alors, l'image du cambriolage, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est. Hyper positif. Ouais. Moi j'avais pensé à un truc aussi, ouais. C'était un peu rassembler tous les codes d'Halloween et un peu les mixer dans la pub en fait, en une sorte de référence pour que ça soit familier et agréable à la personne de voir ça en fait. Ton idée elle me donne une idée, imagine c'est des gamins, enfin des gens qui viennent chercher des bonbons, il y a des gens, enfin des monstres qui leur donnent des bonbons, ils font trop bien leur costume et c'était réellement une soirée de monstres, de vrais monstres. Voilà, on a qu'à faire une pub de shampoing avec du Fanta. Ah. Alors les gars, qui c'est déjà, qui commence par Team McFly avec tout bien. Tu peux écrire toi, je sais pas écrire, je suis gaucher. Go faire un brainstorming et genre vraiment tous les mots qui viennent. Ouais, il y a quelqu'un qui avait une idée déjà à la base ou pas? Non, faudrait vraiment qu'on mette nos trucs en avant. Enfin, c'est vrai. Notre moi la magie. Sylvie, il a la magie. Toi ton talent d'acteur. Toi ton cri. Du coup Marc magie, tu vois magie. Magie. Justement avec Fanta on pourrait faire un truc de genre fin du monde, tu vois, zombie. Super pouvoir. Magie, on pourrait intégrer la canette, genre par exemple on pourrait leur faire boire du Fanta pour leur donner une forme humaine, genre pour redonner la vie, enfin une forme humaine, voilà. Du coup les Fanta ça sauve le monde, donc ça concerne tout le monde et ça. T'as vu le truc, ça donne envie de boire pour éviter de devenir un zombie justement. Exactement.
kiffe.